maintenant, j'espère que vous vous sentez tous bien et relaxés. Ah, Itch! Sunny! Oh, Izzy! Mais qu'est-ce qui se passe? Très bien. Que personne ne panique. Je suis sûre qu'il y a une explication tout à fait raisonnable à ça. J'ai juste besoin de réfléchir. Qui est prêt pour une séance de chuchotage? Non, non. Si vous voit dans cet état, elle va vraiment être... Oui. Nos amis sont des pouliches. Et des poulains. Et tu as une explication? Attrape cette pouliche. Ruby, comment c'est arrivé? Aucune idée. Je commence à craquer. Ruby, essaie de te calmer et raconte-moi ce qui s'est passé. Chaque détail, depuis le début. D'accord, alors j'avais invité tous les poneys à Melodia pour une journée géniale de spa. Et tout le monde avait l'air d'apprécier, ils étaient si détendus. Tout était vraiment parfait. Ce serait dans ce qu'ils ont mangé, ou ce qu'ils ont bu, ou dans les flacons de produits de beauté bizarres. Ces produits ne sont pas bizarres. Coton doux est un chiot. Oh, attends. Qu'est-ce que c'est? Ça? Oh, c'est mon nouveau et totalement naturel fabuleux masque fruité. Et pourquoi est-ce qu'il brille? Eh bien... Tu as mis des paillettes magiques dans ce masque de beauté? Je ne savais pas qu'elles étaient magiques! Mais comment on va verser ça? Oh, Sunny, on ne mord pas! Allez, Ruby, tu peux réparer ça. C'est totalement dans tes cordes. Réfléchis, le masque a des ingrédients pour vous faire paraître plus jeune, mais peut-être qu'avec un mélange différent d'ingrédients, tu peux les faire paraître plus vieux. Zip! Je viens d'avoir une idée! Ruby, je vais t'aider. Il était une fois deux sœurs Pégase qui étaient très différentes. Et même si leur goût était très différent, vraiment très différent, cela faisait que leur vie ensemble était si amusante. Tu me racontais aussi des histoires pour dormir. Les sœurs voyagèrent ensemble à travers Equestria. Hey, waouh! Je me sens rajeuni! Oh, c'était incroyable! Je vais aller parler de cette séance à tous mes amis! Il faut qu'ils essaient ce nouveau spa! Waouh! Vous avez l'air épuisées toutes les deux! Vous devriez vraiment essayer ce nouveau masque du visage! Hey!
Le ciel est à tout le monde, attention! Laisse-moi te toucher, chevalier! Allez, 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 allez. C'est pas vrai! Trop chou! Vite, Ruby, maman veut nous dire un petit au revoir. Tout va bien, Ruby? Oui, un peu mieux. Génial! Bonjour Zip, je finissais juste mes bagages. Oh Zip, oh, allez viens, prends ta valise. Ma valise, disons que... Et voici venir les ballons royaux. Ah, on a frôlé un autre incident, Sky. Ils sont nombreux ces derniers temps, Dazzle. C'est vrai, mais vous savez ce qu'on dit, Sky. Pas d'omelette sans casser des œufs. Oh, la famille royale fait son entrée. Information, maman, je n'appelle pas ça un petit au revoir. Souris, Zéphirina, tout ça c'est pour toi. Ruby, non, pas de photo. S'il te plaît, Zip, juste une seule. Tu ne veux pas te souvenir d'aujourd'hui? On t'aime, Zip. Et de quelle partie crois-tu que j'aimerais me souvenir? Je n'en sais rien du tout. Que dirais-tu des adieux touchants et affectueux de notre mère, la reine? Suffit, Zéphirina, tu es la future reine. Alors assieds-toi, tiens-toi droite et salut. Regardez, elles sont là. Ezzy, Ruby. Est-ce que ces Pégases pleurent? Je sais exactement ce que Ruby et Zip ressentent en ce moment. Je m'en souviens comme si c'était hier. Izzy, c'était hier, justement. C'est vrai? Regardez, la reine! Oh, il me semble qu'hier encore, mes filles étaient deux adorables petites pouliches. Et regardez-les maintenant, comme elles ont grandi. Et elles me quittent. Alors, pour célébrer les nouvelles aventures qu'elles vivront ensemble, je vous présente cette œuvre. Comme je le disais, je vous présente cette œuvre, les sœurs prennent leur envol. Zip, Léo de Zéphir ne vont pas... te manquer ne serait-ce qu'un petit peu? Je n'en sais rien. Je suis juste prête pour les nouvelles aventures qu'on va vivre. Toutes les deux, ensemble. Oui, moi aussi. Tout ce dont on a besoin, c'est d'être ensemble. Elles ont juste besoin d'être ensemble? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les valises? Non, d'une... Ce sera vraiment la meilleure surprise du monde!
La voilà, Thunder, allume-les. 3, 2, 1, joyeux fête des géants. Regardez, vous ratez les feux d'artifice. On pensait que tu étais la reine. Vous imaginez, moi la reine. Eh bien, bonjour, votre majesté. Et maintenant, on a gâché tous les feux d'artifice. Oh, je savais bien que ça arriverait. Zip, tu n'as pas besoin de feux d'artifice pour montrer à la reine à quel point tu tiens à elle. Et ça tombe bien, parce qu'on n'en a plus un seul. Oui. Peut-être qu'elle est juste en retard. Non, je sais exactement où elle est. Qu'y a-t-il ensuite sur la liste royale, Zoom? Eh bien, nous sommes un peu en retard, votre majesté, mais pour le point 81, vous étiez censé... Oh, retrouver mes filles au parc royal? Oh non... Tiens, en voilà une surprise surprenante. Tu avais promis de nous retrouver au parc. J'ai même pris rendez-vous avec Zoom cette fois-ci. Ne pas honorer un rendez-vous est vraiment mal poli, mère. Et le jour de la fête des juments, tu exagères. Je sais, je suis désolée de ne pas être venue, ayant ce jour si spécial. Oh, croyez-moi, il n'y a rien que je voudrais plus que de faire une pause dans mon rôle de reine. Mais il y a tellement de choses à faire. Et si on te permettait de faire une pause? On va s'occuper de toutes tes obligations de reine pour le reste de la journée. Vraiment? Tu veux être la reine maintenant? Je t'en prie, maman, ça ne doit pas être bien difficile. Oh, d'accord, Zoom fera en sorte que vous ayez tout ce qu'il vous faut. Bonne chance! Bien sûr, votre majesté. Je leur transmets votre liste de tâches royales maintenant. Oh, ce n'est pas si terrible. Est-ce que vous avez vu ça? Et ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Eh bien, ce sera amusant, pas vrai? Tâche 82, le portrait des poulains nouveau-nés. Revenez ici. Tâche 97, la grande ouverture du terrain de jeu royal. Ça sera facile. Spectacle déconcertant. On doit couper ce ruban. Continuez sans nous. Attention! J'espère vraiment que tout se passe bien. On a réussi! On est en retard pour le dîner, mais on a tout fini. Et comment ça s'est passé? Un poulain nouveau-né m'a fait un œil au beurre noir. Rien n'est plus difficile que ça en a l'air. Regarde cette crasse dans ma crinière. Je n'utiliserai plus jamais de ciseaux de ma vie. La vérité, c'est que même en étant tous les cinq, on a bien failli ne pas réussir à accomplir toutes les tâches de ta liste de reines. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça tous les jours. Oui, je crois que c'est nous qui avons été injustes tout à l'heure. Tu es vraiment une reine incroyable. Ça me fait plaisir de l'entendre, Ruby. Merci beaucoup. Oh, tu penses vraiment à tout. Bon appétit, tous les poneys. Allez, allez, allez! J'ai tout fini! Encore! 7,1 secondes!
Ah, salut, Posy. J'adore ton nouveau style. Tu t'es fait des mèches violettes. C'est vraiment joli. Tu es incroyable. Oh, je le savais. Je sens que ça vient. Je ne peux pas l'arrêter. Aïe, mon cerveau gèle. Ils vont bien? Ah, c'est juste quand ils boivent trop froid. Ce sera bientôt terminé. Mais la troisième manche du Gloop Saton va commencer et j'ai un smoothie avec ton nom dessus, Zip. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, c'est tentant, mais non merci, ça va. Je travaille mes plongeons. Regarde un peu celui-là. Là, c'est sûr, vous vous moquez de moi! Gentil, gentil poney. Gentil poney, fais le gentil, gentil poney. Remonte les pattes, puis glisse les plus loin. Et remue ton popotin. Allez, viens, Zip, tu adores cette chanson. Non, merci, ça va. C'est bizarre, ils ont dit qu'ils seraient ici. Surprise! Hé, hey, mais qu'est-ce que vous faites? Merci, ça va. Ça suffit, il faut qu'on fasse quelque chose. Tout ce qu'elle sait dire, c'est non. Non, aucune chance. C'est exactement ce dont elle a besoin. Mais Zip n'acceptera jamais de faire un truc pareil. Je ne ferai jamais quoi? Oh, salut Zip. Je ne t'avais pas vue. On regardait juste quelques vidéos de la journée du oui. Tu sais ce que c'est? Tu détesterais ça. Tu es obligée de dire oui à toute proposition. Zip y accepterait tout ce qu'on lui propose pendant une journée entière. Hé, je crois que Zip pourrait... Chut! Jamais y arriver. Aucune chance, c'est sûr. Pas de journée du oui dans ton avenir. Que des journées du non pour toi. Pour le reste de ta vie négative pleine de non. Je ferai une journée du oui. Facile. Impossible. Facile, oui, bien sûr. Je peux parfaitement dire oui pendant une journée. Je le prouverai. Oh, tu es bien sûr de toi, Zipstorm. Tu es en train de dire oui à une journée du oui? Oui. Un silence descend alors que Neptune s'apprête à faire son plongeon. Voilà comment
vraiment plongé dans cette compétition. Allez, Léo de Zéphyr. Oui. Je pense qu'un Pégase a un avantage déloyal dans une compétition de plongée. Bien bonjour, petit objet parfaitement rond. Plongeur suivant, la baie de Porponnet peut l'emporter. Izzy! Oh, ce cadeau pour la journée de la baie de Porponnet pour Sunny ne sera jamais prêt à temps. J'ai pourtant tout essayé, et même le... Ah, la douche a un problème. Izzy! Oups, je vais filer, moi. Non, trop grand. Trop petit. Bien trop moelleux. Non, pas assez rond. Trop bien accroché au mur. Absolument parfait. Ah, Candy! Montre-moi ces superbes anneaux dorés. Ah! Izzy, laisse-les, ils sont à moi. Ah! Juste un seul. Allez, Candy, c'est pour une très bonne cause. Ah! Jamais. Non, c'est du plastique. Oh, oui, c'est ça. Attendez. Oh, dommage. Oh, je n'arriverai jamais à... Tu en seras stupéfait. Unicycler ma tâche pour faire une table ou une moustache. Moi, ça me plaît, les déchets. D-U-C-H-E-T. Faut pas le jeter. D-U-C-H-E-T. Une fois transformé. Coucou, coucou. C'est beau comme tout. Moi, je trouve ces déchets jolis. Finir le cadeau de Sunny, je fouillerai, je chercherai. Avec goût, je vais tout transformer. Tout ce que les gens jettent, c'est de l'or, je sais, c'est bête. J'adore tellement tous ces déchets. D-U-C-H-E-T. Faut pas le jeter. D-U-C-H-E-T. Une fois transformé. Voilà enfin mon anneau parfait. Tada! Et en avant l'unicyclage. Ah, il y a encore quelque chose qui ne tourne pas rond. Oh, oh, je sais. Prévu qu'il l'évite, mais Sunny va sûrement l'adorer. Il est arrivé à mon sèche-crinière. On dirait qu'il manque tous les composants. Désolée, Ruby, je vais le réparer. Je reviens. Izzy, où est-ce que tu vas? Reviens, personne ne doit voir comme ça. Un nouveau jour magnifique! La baie de Porponnet, dépotoir d'Equestria? Hein?
Les nombreux visiteurs causent le chaos. Vous croyez ça, les amis? Comme si la baie de Porponais avait un problème de déchets. Tu plaisantes, là. C'est dans tous les clips en ligne. Et ce ne sont pas que les déchets. J'ai reçu beaucoup de plaintes à propos de la fréquentation de la baie de Porponais actuelle. La plupart viennent de Posy, mais quand même... Les licornes respirent tout l'air de la baie. Les ailes de Pégase créent des courants d'air. Les licornes sentent mauvais. Et encore une chose... Oh, pas de quoi fouetter un poney. Ces articles de journaux font toujours paraître les choses pires qu'elles ne le sont. Je suis sûre que c'est une tempête dans un verre d'eau. Vous voyez, la baie de Porponais va... très bien. Hein? Là, c'est une plaisanterie. Perche à selfie, achetez votre perche à selfie. Mégaphone, achetez votre mégaphone. D'accord, on a peut-être un problème. Les amis, vous aviez raison. La baie de Porponais est un tas de détritus. Je crois même qu'un tas de détritus serait plus propre. Eh bien, je ne vais pas rester assise ici en attendant que notre ville se transforme en un véritable désastre. Il est temps de sortir les poubelles. Oh, mais j'ai sorti les poubelles ce matin. Pas au premier sens du terme, Izzy. Ah, d'accord, j'avais pas compris l'image. Écoutez, l'équipe des nettoyeurs, si on veut vivre ensemble, on va devoir travailler ensemble. Nettoyer chaque recoin, balayer chaque trottoir, laver chaque surface lavable. Zip, traque chaque détritus. Izzy, tu gères la décoration. Itch, règle la circulation des pousse-pousse. Ruby, les perches à selfie. Les créatures, restez juste adorables. Allez, la baie de Porponais, il est temps de briller comme un sous-neuf. C'est vraiment dégoûtant. Qui laisse traîner ça? C'est beaucoup mieux. Et vous vous moquez de moi, là? Très bien, je l'accroche ici, juste un peu plus par là. Quelqu'un peut m'aider? Hé, hey, ralentissez, chauffard! Hé, hey, c'est un ordre, c'est un ordre! Vous voyez, c'est super facile, comme ça. Non, attention, vous allez vous faire mal! Ça ne marche pas, Sunny. Il nous faut de l'aide. Il y a trop de déchets. La ville est sur le point d'exploser. Qui êtes-vous? Nous avons vu les vidéos de Ruby. Elles sont vraiment très inspirantes. On est là pour aider au nettoyage. Si nous voulons vivre tous ensemble, nous devons travailler tous ensemble. Oui, je connais par cœur cette phrase. Wow, d'accord. Izzy, donne à tous ces poneys des casquettes de l'équipe des nettoyeurs. Nettoyons comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il n'y aura pas de lendemain. Mes amis, aujourd'hui est un jour merveilleux. Magique? Oui, merci Rufus. Mais c'est aussi le jour où nous avons prouvé que tous les poneys peuvent vivre ensemble dans l'unité, tant qu'on nettoie de temps en temps. Donc, je vous annonce officiellement la création du carnaval annuel du nettoyage. Un jour spécial pour nettoyer la baie de Porponais de fond en comble, supervisé par l'équipe des nettoyeurs. Oui. J'aimais nettoyer, mais là, je vais adorer.